La semaine spéciale célébrité des reines du shopping continue. Après Sylvie Tellier, lundi et Karine Galli, mardi, CIST au tour de la chanteuse Lio de tenter sa chance, ce mercredi 6 janvier à 17h30 sur M6. L'interprète de Banana Split va devoir trouver une tenue qui correspond au thème imposé par Christina Cordula, oser la couleur en hiver. Si elle remporte la compétition, Lio permettra à une association de remporter la cagnotte mise en jeu. La chanteuse a choisi de défendre l'association autour du Bipan qui lutte contre une maladie rare orpheline, neurodégénérative associée à une protéine bêta-hélice, la Bipan. Lio est la marraine de l'association autour du Bipan depuis près de 2 ans. Sur ses réseaux sociaux, la chanteuse partage régulièrement les actions de l'association qu'elle défend, ce mercredi, dans les reines du shopping. S'y est-il l'occasion de rappeler que cette association récente, aux moyens limités mais à la motivation absolue, a crucialement besoin de médiatisation et de soutien financier dans son combat pour la recherche sur le Bipan, écrivait-elle notamment en septembre 2019 sur son compte Facebook. Les reines du shopping, quelles associations ont défendu Sylvie Tellier et Karine Galli? Lundi, pour débuter cette deuxième spéciale célébrité, Sylvie Tellier a obtenu la note de 15,5 sur 20. La patronne du comité Miss France jouait alors pour l'association Les Bonnes Fées qui lutte pour l'amélioration des conditions de vie des femmes en difficulté. Mardi, l'animatrice Karine Galli a obtenu la note de 14,25 sur 20. Elle défendait l'ASTIBI, une association française des malades atteints de sclérose tubéreuse de Bourneville et de leur famille.